Eh bien, bonjour les amis. Juste avant que la réelle vidéo ne commence, je m'en suis rendu compte au montage, en fait, je tenais à vous clarifier deux, trois points. J'ai pas trop rentré dans les détails vis-à-vis des quêtes, etc. C'est vrai que moi, ça m'a paru comme une évidence et c'est une erreur, une grave erreur de ma part. Faut aussi savoir admettre que des joueurs ne connaissent pas tout, hein, des nouveaux joueurs, des joueurs qui ont pris le jeu, etc. Vous avez toutes les infos du succès, etc. Sur Dofus.noob en description, comme ça vous avez toutes les démarches, vous savez tout ce qui se passe, où ça peut se passer. Voilà tout, c'était vraiment important que, bah déjà excusez-moi pour un nouveau joueur, c'est vrai que ça peut vous paraître bête. De toute façon, ce blabla, il y aura un timer code, vous pourrez le sauter, c'est pas très gênant. Et je voulais aussi énormément, encore une fois, vous remercier tous, autant que vous êtes, tous ceux qui sont abonnés à la chaîne, même ceux qui ne le sont pas, mais qui regardent régulièrement les vidéos. C'est grâce à vous que tout ça, pour moi, c'est possible, que ce soit les LED, les lampes, le fond vert, etc. C'est vraiment énorme grâce à vous. D'ailleurs, même en MP, en jeu, j'en reçois tous les jours des messages de soutien, etc. C'est vraiment très cool de votre part, moi je vous en remercie énormément. Bien évidemment, de mon côté, j'ai essayé de pas relâcher, hein. On ira jusqu'au bout de toute façon du projet, on essaiera, quoi qu'il en soit. Bref, je vous souhaite une bonne vidéo les amis, à tout de suite. Eh bien, salut à tous et à toutes les amis Samnesia, comment allez-vous? En tout cas, pour ma part, ça va super, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, bienvenue au nouveau, les frérots, ça fait extrêmement plaisir. Quand on regarde la terre, on vous connaît, dépêchez-vous, allez hop hop, on y va. Bref, aujourd'hui, petite vidéo sur la Team Succès, vous savez que c'est un petit peu les vidéos du moment, hein, tout simplement. Je viens de finir le dernier des derniers donjons des deux quêtes. Donc il y a la première quête, celle qui se trouve à Strups et Emma Thompson ou un truc comme ça. Et celui, la seconde que je viens actuellement de finir, la voie du guerrier. Enfin, c'est pas une seule quête, c'est une compilation de plein de quêtes. Je m'en vais voir ce fameux PNJ parce que je sors tout simplement du Worker. Je vous avoue, je l'ai fait en normal, hein. J'ai même pas mis d'idole, rien. Je voulais vraiment clôturer cette série de donjons, etc. Bref, on se retrouve devant le PNJ, etc. Je vous explique un petit peu pourquoi, comment, ce qui est vraiment bien là-dedans. Et voilà tout. D'ailleurs, le temps que j'arrive à ce fameux PNJ, vous pouvez voir, j'ai reçu mes lumières, mes spots, tout est OP, hein. Certains l'ont déjà remarqué. Alors, je ne sais pas si le réglage et le rendu est optimal. En tout cas, ça s'améliorera en allant, je pense, hein, mais moi, ça me paraît très correct de ce que je peux voir là sur mon retour. Je suis très content de pouvoir vous proposer une amélioration qualitative, et bien évidemment, comme quoi tous vos retours, vos abonnements, etc. ne servent pas à rien, hein, forcément. Si on vous le demande sans arrêt, c'est qu'il y a une raison. Bref, alors, pourquoi je voulais vous montrer cette fin de quête? C'est tout simplement pour, bah, déjà, clore un gros pavé d'une type succès. Et en plus, vous voyez quand même qu'ici, on va choper du 86 000 commo pour cette quête. C'est pas exactement ceci que je voulais faire voir. Je vous recoupe 2 secondes, on se reprend. Voilà, c'était plutôt ça que je voulais vous montrer parce que j'avais oublié de passer à ce truc pour parler à Metagrobil. Bref, c'est pas très important. Ce que je voulais vous montrer, c'est malheureusement, je l'aurai pas tout de suite dans ma bourse de commo, forcément parce que j'accepte pas les succès. C'est un peu le principe de la série. Mais rien que sur cette fin de, et sachant qu'à chaque étape de chaque quête, etc., enfin, vous droppez pas réellement, mais vous obtenez des commos. Et ici, quasiment 200 000, ça me fait sur 5 persos, moi, pour mon cas, 5 persos, ça me fait quasiment 1 million. Oui, donc du coup, oui, je vais surtout résumer un petit peu cette partie-là. Ensuite, on ira faire un tour à la banque, etc. Vous en faites pas pour ça, il n'y aura aucun problème. On est sur un peu moins de 4 200 points de succès. Ça fait maintenant une semaine que je joue plus ou moins. Bien évidemment, pour ceux qui ont suivi ma dernière vidéo, j'étais en plein déménagement, etc. C'est compliqué. Et en termes de commo, on est sur du 2M5 par perso. Ouais, c'est ça, enfin, presque à l'identique. Enfin, c'est vrai qu'avec moi, on voit pas très bien. Alors, bon, je vais faire ça plutôt. On est sur 2 500 par perso, x 5, 13 millions, en gros. J'ai la flemme un peu de calculer, je vous avoue, mais rentable. Franchement, je vois pas quel est le mot qui pourrait le plus convenir. Clairement, hein, j'avais oublié d'accepter celui-ci. Je vois pas.
Pour une première étape d'ultime succès, moi c'est la première fois que je faisais ces quêtes. En fait, c'est juste des quêtes à faire des donjons, il n'y a rien de plus à faire. C'est la première fois que je les faisais et clairement je suis très très étonné. J'en avais bien évidemment entendu parler plein de fois. Je suppose que plein de gens comme moi ont entendu parler plein de fois sans réellement sans soucier. Maintenant, comme je vous le disais, on va aller voir un tout petit peu. J'ai tourné à une banque, enfin. Je vais le faire là, je vais me faire encore une petite ellipse. Je réunis tout, on se voit un petit peu ce que ça nous a rapporté cette étape qui me paraît quand même cruciale. Hein. Puis après ça, on verra un peu où est-ce qu'on peut se diriger. Voilà, bon, tout est réuni, on est sur un petit 10 millions de Komo en ressources, j'ai quelques conteneurs, on titille les 10 millions de Komo. C'est correct en estimation de ressources, même si le principe d'une team farm, c'est pas réellement les ressources celles-ci qu'on drop dans les donjons. Hein. Mais ça se prend toujours, hein. Je sais pas si je peux déjà crafter des trucs, ça m'étonnerait fort, mais ouais, enfin, des petits trucs par-ci par-là, on verra ça plus tard, c'est pas vraiment le sujet pour le moment. J'ai réuni mes commas ici, je vous ai dit 13 millions, comme quoi j'avais mal calculé parce que j'ai fait ça de tête et encore j'ai dépensé un peu de commas sur le panda afin d'acheter du pain, etc. Mais bon, bref, de pas l'intérêt, on n'est pas à 600 000 commas après, en tout cas pas à ce stade de la série. Je vous disais, les prochaines étapes, pardon, ça sera déjà, je vais terminer tout ce qui est les donjons 1 à 50, bon, il ne me reste plus grand-chose. Hein. Ensuite, je vais faire dans l'ordre, on va aller chercher les commos qu'on peut dropper sur les boss, tout simplement. Maintenant, je peux les faire dans l'ordre que je veux, parce qu'avec les quêtes, on ne pouvait pas le faire dans l'ordre qu'on voulait. Vous voyez qu'il manque par ici quelques duos. Bon, le chou que j'ai toujours pas été, le Shoudini non plus. Ici, il va manquer duo Hardy. Enfin, il y a quelques trucs à voir, à faire et à refaire. Mais globalement, là, ça va être un petit peu plus chill parce que on va pouvoir aussi débloquer. D'ailleurs, oui, ces fameux succès-là qui rapportent aussi 23 000, encore une fois, fois 5. Ici, j'y retournerai, c'est pareil. On ira chercher le prestige, 50 000, etc. Donc, franchement, ce début d'aventure, c'est. Même un début, même s'il est pas mal entamé, hein, parce que 4 200, ça commence à être sympathique, et ouais, c'est pas énorme, hein. Maintenant on a quoi? On a 16, 17 000 points de succès max, 20 000 même points de succès max, ah bon, j'ai loupé un épisode. Mais bon, ça commence déjà à bien remplir, on peut le voir ici, hein, ça, on atteint quelques trucs, hein. Bon, forcément je peux pas vous faire l'unité, vous voyez un peu la quantité quand je scrolle comme ça, et encore si je scrolle avec la souris, c'est assez long. Enfin bref, là c'était pas là l'intérêt. Rien qu'ici sur ces quatre derniers, on est 250 000, un peu plus de 250 000 commas. C'est vraiment énorme. Je suis très très pressé de vous proposer l'opening, etc. Voilà tout. C'était encore une fois une petite vidéo transitoire. Hein. Il n'y a pas grand chose à dire, mis à part que oui, j'avais fini les succès, comme je vous dis, les succès de donjon. Et voilà tout. Moi les frérots, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, ça m'a fait plaisir de la tourner pour vous. On n'oublie pas le petit abonnement les frères, ça me ferait énormément plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Prenez soin de vous les potes, c'est Amnesio. Ciao.